En fait, l'idée est née en 2011 en Norvège, et l'idée était de fournir, de procurer une expérience professionnelle à des jeunes afin d'améliorer leur employabilité. Et puis 2011, d'un pays, on est passé à 47 pays, et cette année, on a eu 204 000 candidats à qui on a l'opportunité d'offrir une expérience professionnelle pour améliorer leur employabilité. Être un bon CEO aujourd'hui, c'est avoir une bonne forme physique, ça c'est très très important. C'est avoir un projet qui fait sens, parce qu'on voit que les jeunes générations, elles ont besoin de sens. Et puis, savoir emmener ses équipes vers la réalisation de ce projet, de ce sens, en les motivant, en motivant toutes les parties prenantes autour de son projet, que ce soit les actionnaires, que ce soit son conseil d'administration, bien sûr ses clients, ses équipes, pour réaliser ce sens qu'on s'est donné. Un jeune peut être un bon CEO, il n'y a aucune raison. Un jeune, il peut avoir une bonne vision et emmener d'autres vers la réalisation de son projet. Bah, j'attends à ce que nous, tout d'abord, on donne cette expérience et que cette personne soit différente après avoir eu ce mois avec nous. C'est très très important. Et d'un autre côté, j'attends aussi pour moi, qu'on ait ce qu'on appelle du reverse mentoring. Et donc qu'on prenne toutes les idées de ces jeunes, leur perception des choses, leur créativité, parce que ce sont nos employés d'aujourd'hui et de demain, ce sont nos clients d'aujourd'hui et de demain, ce sont nos candidats d'aujourd'hui et de demain. Et donc c'est très très important qu'on les écoute. C'est aussi un moyen de recruter des jeunes talents. Bon, on ne peut pas engager 204 000 candidats. Par contre, l'objectif principal, c'est d'enrichir leur expérience professionnelle. Et bien sûr, si certains nous rejoignent, tant mieux, on est très heureux. Ou certains rejoignent aussi nos clients. C'est aussi une possibilité. Oh oui, j'ai de très beaux exemples. On a une start-up Adia qui a été créée par le CEO for One Month de l'Italie il y a 3 ans. Et aujourd'hui, Ernesto gère une compagnie dans 4 pays avec plus de 100 personnes. Et ça a été à la base de son idée. On a le Global CEO de l'année dernière, Ed Broadhead, qui gère maintenant toutes nos activités en Big Data et Analytics au sein du groupe. Donc, c'est un merveilleux exemple de réussite et d'intégration. On fait beaucoup pour l'insertion des jeunes, on fait le CEO for One Month, mais on est aussi un des défenseurs au niveau mondial de l'apprentissage. En France d'ailleurs, on a créé l'école de l'apprentissage où on s'est engagé à créer 10 000 postes d'apprentis en 36 mois et on va le faire parce qu'on pense là aussi que l'apprentissage est une façon d'intégrer de manière réussie l'emploi et le marché du travail. Parce que c'est un parfait match entre le besoin des entreprises et l'éducation, la formation que l'on donne aux apprentis. Pas que les jeunes, parce que vraiment notre raison d'être, on dit en anglais « make the world work for everyone hein ». On va dire « donner du travail au monde entier et pour chacun ». Et ce mot « everyone », ce mot « chacun » est très très important pour nous. Ce n'est pas uniquement des gens qualifiés ou des ingénieurs, etc. Non, on veut vraiment avoir un impact sur tout le monde. Aussi, par exemple, des gens qui sont éloignés de l'emploi et qu'il faut aider à réintégrer la société par le travail, des personnes handicapées, la diversité. On est très très impliqués dans toutes ces formes d'emploi parce que c'est lié à notre raison d'être.